Diaspora FM, le journal. Jeudi 10 juin 2021, 19h partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce journal. Audition des candidats de la 14e cohorte du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE ce jeudi 10 juin. C'était en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi Modeste Kérékou. Point de presse ce jeudi 10 juin du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Objectif, expliquer les avantages de la décision du gouvernement de réduire le délai de paiement des créances vis-à-vis de l'État pour les micro, petites et moyennes entreprises. Et puis au Mali, le nouveau Premier ministre Choguel Maïga a annoncé ce mercredi 9 juin, au sorti d'une rencontre avec la CEDEAO et des représentants de l'Union africaine et de l'ONU, que d'ici dimanche, l'exécutif présentera son nouveau gouvernement. Merci de nous préférer pour vous informer. L'unité de coordination du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE a organisé ce jeudi 10 juin une séance d'entretien de la 14e cohorte de candidats inscrits pour le programme. C'est la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, qui a servi de cadre à l'audition des candidats à laquelle a pris part le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, Modeste Kérékou. Compte rendu, Aristide Séti. Ils sont plus de 300 candidats présélectionnés à être auditionnés ce jeudi 10 juin 2021 pour le compte de cette 14e cohorte du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE. Les candidats interviennent dans plusieurs domaines et les bénéficiaires viendront s'ajouter à ceux qui bénéficiaient déjà du programme. Pour ce jour, nous avons plus de 300 quand même candidats qui vont compétir entre eux face à des jurys et plus spécifiquement, cette fois-ci, toujours des entreprises, parce que les représentants des entreprises sont de plus en plus conviés et c'est quand même l'occasion pour nous et de faire voir à l'autorité ce que nous faisons, qu'il évalue comme à son habitude et qu'il nous donne les orientations qu'il faut pour améliorer le programme qui, de plus en plus, nous donne quand même plus de jeunes à insérer. Après une visite des différents panels, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, Modeste Kérékou s'est assuré du bon déroulement du casting. La 14e cohorte, aujourd'hui, je suis également là pour pouvoir, comme d'habitude, m'en assurer par moi-même du bon déroulement afin d'en rendre compte au président de la République. Je ne sais pas s'il est encore nécessaire de rappeler que le PSIE est un programme présidentiel. C'est un programme que nous avons mis en place en exécution des instructions directes du président de la République, qui a conçu ce programme et a souhaité que chaque année, l'État prenne à sa charge le paiement des salaires, soldes et accessoires de 2 000 jeunes. C'est près de 7 milliards de francs CFA par an. Et les ressources sont mobilisées et disponibles. Donc, il est de mon devoir de venir m'en assurer que tout se passe selon les orientations, les instructions du président de la République. Il lance un appel aux jeunes en quête d'emploi et aux chefs d'entreprise. Je voudrais dire aux jeunes, à mes frères, à mes amis, que nous sommes dans une autre ère. Au temps de la rupture, c'est l'égalité des chances. Tout se déroule dans la transparence. Les mécanismes sont mis en place. Je veux inviter tous les jeunes à candidater. Sur la plateforme, ils ont toutes les informations, les profils recherchés. C'est du bac jusqu'au doctorat ou au PhD. C'est vrai, c'est des diplômes ou des qualifications professionnelles. C'est vrai. Je veux dire également aux entreprises, à celles qui nous ont déjà fait confiance, qui ont déjà recruté des jeunes, d'en demander davantage si elles en ont besoin. L'autorité ministérielle est repartie avec la ferme conviction de voir les jeunes mettre leurs compétences au service des entreprises béninoises. Création dans les prochains jours de l'Ordre national des ingénieurs du Bénin, c'est l'une des décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres. Les membres du gouvernement, en présence du chef de l'État, ont pris plusieurs autres décisions. Suivons ici le compte-rendu du secrétaire général, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungwedji.
Point 1. L'adoption du décret portant organisation de la profession d'ingénieur et d'ingénieur conseil et instituant l'Ordre national des ingénieurs civils en République du Bénin. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances, attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Numérique et de la Digitalisation, création, attribution et fonctionnement du comité interministériel de mise en œuvre des mesures d'assainissement, d'achèvement et de clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain, dissolution du comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre, CPTNT. Au chapitre des communications, en point 1, nous avons les nouvelles mesures liées à la restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Sur la base du rapport du comité de coordination et de suivi de la restructuration de la SONACOP SA, le Conseil, après analyse des offres reçues, a fait l'option de céder les stations de la société aux deux sociétés ayant fait les propositions les plus intéressantes. Il s'agit, pour le lot A, constitué de 63 stations, de la société Orix Bénin et, pour le lot B, constitué de 65 stations du groupement Bénin Énergie. Sont exclus de cette cession, dans les cas de figure concernés, le foncier qui fera plutôt l'objet d'un bail, de même que la station Ornano, située au carrefour dit des trois banques à Cotonou. En outre, le Conseil s'est prononcé sur les dettes de la SONACOP SA, évaluées à environ 21 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019. Ainsi, il sera procédé prioritairement au paiement des dettes envers les gérants des stations-service et certains fournisseurs. Il en sera de même envers les banques, la Caisse nationale de sécurité sociale et le Trésor public, le tout pour un montant de 2 639 376 676 francs CFA. Au point 2 sous ce chapitre, l'amélioration du délai de paiement des créances de l'État à l'égard des micro, petites et moyennes entreprises PME. Le gouvernement, depuis l'année 2016, a engagé plusieurs réformes concourant à l'amélioration du climat des affaires en vue de soutenir l'entrepreneuriat privé dans notre pays. À cet effet, il avait entrepris de procéder dans un délai de 90 jours au paiement des prestations des PME. Par la suite, la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin a fixé un délai de 60 jours maximum pour le paiement de leurs créances sur l'administration publique. Mais sensible aux difficultés que rencontrent ces entreprises dans le cadre du développement de leurs affaires, le Conseil a décidé de faire mieux que ce que prévoit la loi. Ainsi, le délai de paiement des dites créances sera désormais de 30 jours calendaires au plus dès la constatation du service fait. À la suite de ce point de presse, Wilfried Léandre Rungwedji s'est prêté à l'exercice de questions-réponses des journalistes. La flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité était au cœur des débats. À en croire le porte-parole du gouvernement, la rareté des plus justifie cette situation. Wilfried Léandre Rungwedji n'a pas manqué de lever un coin de voile sur les mesures prises par le gouvernement pour soulager la peine des populations. Suivez un extrait de ses propos. C'est une question importante qui concerne l'ensemble de nos compatriotes, le pays dans son ensemble. Il faut d'abord faire observer, et vous êtes les témoins de cela, que pendant 5 ans pratiquement, je vais dire sur tout le quinquennat écoulé, les prix des produits que vous évoquez n'ont pas connu de variation majeure. En général, ils sont restés au niveau où ils étaient en 2016-2017 et n'ont pas connu de flambée. Il se fait cependant que l'année dernière et cette année également, comme nous pouvons tous l'observer, les pluies se sont raréfiées. La pluviométrie a été en baisse dans la sous-région en général. Et quand on ajoute à cela certains facteurs exogènes, les rendements n'ont pas toujours été au rendez-vous à la mesure des efforts que nous avons accomplis les années écoulées, qui nous ont valu d'être classés deuxième producteur de vivriers de l'UEMOA tout de même. Aujourd'hui, la réalité est que, avec la situation née de la rareté des pluies, certains pays voisins ont entrepris de constituer des stocks de sécurité et ainsi, en dépit des conseils que le gouvernement, via les services techniques, a pu donner aux producteurs, certains d'entre eux se laissent appâter par le gain qui est proposé par les acheteurs étrangers qui viennent et qui ainsi s'approvisionnent chez nous, constituent sans doute des stocks de sécurité chez eux, mais cela crée une certaine tension sur notre marché et c'est ça qui explique la situation.
situation que vous avez observée au niveau des prix sur nos marchés. Là-dessus, le gouvernement n'est pas resté insensible. Le ministre de l'Agriculture et sa collègue de l'Industrie et du Commerce ont tout de suite alerté leurs services techniques qui sont à pied d'œuvre et qui ont commencé à sensibiliser les producteurs, mais au-delà de cette sensibilisation, pour que les produits restent prioritairement sur le marché national, d'autres mesures seront prises pour que les productions repartent à la hausse et que donc suffisamment de stocks soient disponibles pour satisfaire la consommation locale et éventuellement plus tard pour servir les besoins de l'exportation. Le gouvernement en conseil des ministres ce mercredi 9 juin a décidé de la réduction du délai de paiement des créances vis-à-vis de l'État pour les micro, petites et moyennes entreprises. Une mesure qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du secteur privé. Au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 10 juin, Oumar Karim Ouassouman, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, a expliqué les avantages de cette décision hautement sociale. Il est au micro de Carnot François Hongwedereto. Depuis l'année 2016, le gouvernement a instruit les acteurs de la chaîne des dépenses publiques à payer les créances vis-à-vis du secteur privé dans un délai de 90 jours. Par la suite, la loi 2020-03 du 20 mars 2020 est intervenue pour réduire ce délai initialement prévu à 60 jours pour les micro, petites et moyennes entreprises. Mais au cours du Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a décidé de faire mieux parce que sensible à la promotion du secteur privé et à l'amélioration des conditions d'activité des micro, petites et moyennes entreprises. Et ce délai a été réduit de 30 jours. Cette réduction du délai de 30 jours couvre deux aspects, en fait. Le délai initialement prévu par la loi que je viens de citer fixait 60 jours à compter de la date d'ordonnancement de la dépense. Ça veut dire que l'entrepreneur peut faire sa prestation ou bien fournir les biens et services, déposer sa facture, mais le délai commençait à courir à partir de la date d'ordonnancement, c'est-à-dire la date de transmission du dossier de paiement au Trésor public. Donc l'amélioration majeure de la décision du Conseil des ministres d'hier, c'est que le délai de 30 jours commence par courir à partir de la date de liquidation, c'est-à-dire quand l'entrepreneur dépose sa facture au niveau des services bénéficiaires de la prestation ou du bien et service. C'est une action hautement sociale parce que vous savez très bien que les micro, petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie des entreprises au niveau de notre pays. Le délai d'un mois de 30 jours calendaires commence par courir dès lors qu'une entreprise a fait une prestation et dépose sa facture à l'administration publique. C'est ce que nous appelons en termes techniques la liquidation de la dépense. Le délai a été fixé à un mois, mais vous allez nous demander quel est le sort des dossiers en cours, c'est-à-dire les dossiers qui sont en cours de traitement actuellement. Pour ces dossiers, le ministre de l'Économie et des Finances a donné l'instruction pour que, au plus tard, à la fin de la semaine prochaine, tous les dossiers en cours soient libérés. Des agents ont été sommés de rembourser des fonds détournés à la Bibliothèque nationale du Bénin. Le compte rendu du contrôle de la gestion des caisses de la Bibliothèque nationale du Bénin au titre du premier semestre 2020 a été fait ce mercredi 9 juin en Conseil des ministres. Le rapport soumis au Conseil des ministres révèle une défaillance au niveau du service du dépôt légal et de la bibliographie, de fait de l'absence de règles relatives au reversement des recettes au trésor public. Les agents commis à cette tâche accomplissaient cette obligation suivant leur bon vouloir, informe le relevé du Conseil. Entre le 29 septembre 2015 et le 31 décembre 2019, il a été constaté qu'une somme de 5 686 200 francs CFA n'a pas été versée dans les caisses de l'État. Les personnes concernées, conformément à l'engagement qu'elles ont pris, ont remboursé les montants mis à leur charge, précise le Conseil des ministres. Le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la Fonction publique en relation avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à l'encontre des mises en cause.
Ce journal se poursuit. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, a reçu en audience ce mercredi 9 juin 2021 le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, Salvatore Niyonzima. Il était allé transmettre un message du secrétaire général des Nations Unies au chef de l'État. Un message de félicitations à la suite de sa réélection puis de son investiture comme président de la République du Bénin. Le président de la République a déjà donné le « là » en disant que ce deuxième mandat sera un mandat hautement social. Et les Nations Unies sont là pour travailler avec les différentes parties prenantes béninoises sur les priorités qui sont fixées par le gouvernement et par les Béninois. Alors nous, Nations Unies, sommes prêts, j'en parlais brièvement avec Monsieur le ministre, faisant le point de notre coopération, nous sommes donc prêts à travailler sur les nouveaux chantiers et probablement d'anciens qui ne sont pas terminés avec le Bénin. C'est dans le social, c'est dans l'éducation, c'est dans le développement socio-économique. C'est aussi, malheureusement, dans la réponse et le relèvement post-Covid-19. Donc, sur tous ces chantiers-là, nous sommes prêts et nous sommes là pour accompagner le Bénin et les Béninois. Les relations entre les Nations Unies et le Bénin sont aujourd'hui très bonnes. Vous pouvez souligner le très bon, parce que je pense que nous sommes en intelligence parfaite avec la partie béninoise en ce qui concerne les questions de développement, et nous travaillons aussi ensemble sur les questions de liberté, les questions de démocratie, comme le chef de l'État l'a annoncé dans son discours d'investiture. Donc, pour être court, les relations sont au beau fixe. Cérémonie de réception de deux ambulances médicalisées ce mardi 8 juin au ministère de la Santé, un don du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet pour soutenir le gouvernement dans sa politique de lutte contre la COVID-19. Carnot François Humbédéréto. Acquisition de deux ambulances médicalisées ce mardi 8 juin par le ministère de la Santé. C'est un don du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS financé par la Banque Islamique de Développement. Il intervient dans le cadre du projet d'appui d'urgence au plan de préparation et d'intervention contre la COVID-19. Occasion pour le représentant de UNOPS, Mustapha Taïrou, de rappeler les trois accords signés avec le gouvernement béninois dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Le premier accord, c'est l'achat de deux ambulances médicalisées et d'un laboratoire mobile. Le deuxième accord, c'est l'achat et l'installation de deux laboratoires fixes à Ouida et à Parakou. Le troisième accord, c'est l'achat et installation de quatre centres de traitement épidémiologique à Porto Novo, Locosa, Abomey et Parakou. L'enveloppe global du financement est de approximativement 20 millions. Cette cérémonie, présidée par Petas Akobeto, directeur du cabinet du ministère, est le feu du respect du premier accord signé avec le gouvernement qui est l'achat d'ambulances médicalisées. Pour ce qui est de l'accord numéro 1, qui est l'achat des ambulances et des laboratoires mobiles, nous avons déjà livré les ambulances, objet de cette cérémonie, et les laboratoires mobiles, la confection a été déjà commencée. Nous sommes en train de mettre tout à l'œuvre pour que le laboratoire soit livré le plus tôt que possible. Les donateurs, par la suite, ont reçu les mots de remerciement du ministre de la Santé à travers la voix du directeur de cabinet. Il s'agit de deux ambulances équipées d'un montant d'environ 70 069 104 francs qui viendront renforcer en fait notre parc matériel roulant médicalisé pour assurer la prise en charge des patients atteints de COVID-19. C'est vous dire, mesdames et messieurs, l'importance que revêt cette cérémonie pour le ministère de la Santé. C'est pourquoi je voudrais, au nom du ministère de la Santé, adresser nos sincères remerciements d'abord à la Banque Islamique de Développement pour avoir accepté de financer la recueil du gouvernement du Bénin, mais également dire merci à UNOPS pour ce partenariat que nous espérons va pouvoir se poursuivre sur le reste des chantiers qui restent. Rappelons que le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet est un organe opérationnel des Nations Unies soutenant la mise en œuvre des projets d'un large éventail de partenaires. Ce don fait au ministère de la Santé sera sans doute d'une aide importante et d'un soulagement pour les acteurs du système sanitaire.
La mère a rejeté ce mercredi 9 juin le corps sans vie du redoutable braqueur neutralisé par la police mardi 8 juin à Sekandi dans la commune de Semekoji. Le corps sans vie du braqueur connu sous le nom de délinquant de Konomaouli Choron qui signifie en français « la police n'arrête pas le vent » a été rejeté par la mère ce mercredi 9 juin 2021 vers 15h. Le corps a été déposé à la morgue. Le redoutable braqueur tentait de vendre une moto volée à Donantin à Papa lorsque la police républicaine l'a repéré. Il a pris la fuite en se jetant en mer après avoir été atteint par balle. Son corps est resté introuvable avant d'être rejeté par la mer ce mercredi, soit 24 heures après l'incident. Le chef de file de l'opposition, Paul Rompé, a été reçu en audience dans la matinée de ce mercredi 9 juin 2021 par le nouveau médiateur de la République, Pascal Essou. La situation des personnalités politiques en détention provisoire dans le cadre des violences intervenues en marge de l'élection présidentielle d'avril dernier préoccupe le chef de file de l'opposition béninoise. C'est dans ce cadre que Paul Rompé a eu un tête-à-tête mercredi 9 juin 2021 avec Pascal Essou, médiateur de la République au siège de l'institution à Porto Novo. La République est comme une mère. Quand cette dernière est remontée contre ses enfants, elle tape du poing sur la table et les punit au besoin. Au même moment, après les avoir ramenés à la raison, elle les cajole, a indiqué Paul Rompé, chef de file de l'opposition, dans un langage imagé. Il a plaidé pour l'intervention du médiateur de la République pour le dégel de la crise occasionnée par les violences préélectorales dans le pays. Pascal Essou a réitéré sa disponibilité à recevoir les doléances de tous les acteurs politiques. Le chef de file de l'opposition a rencontré le mardi 8 juin, soit la veille, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Avant cette étape, il était au cabinet du président du Conseil économique et social, CES, et en audience avec le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité au-delà des frontières du Bénin, le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a reçu mercredi 9 juin à Ouagadougou son homologue ghanéen et présidente en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. Dans une conférence de presse commune tenue à l'issue de cette rencontre, le président burkinabé a estimé que les Africains devraient se ressaisir et s'unir pour lutter contre les djihadistes qui déstabilisent l'Afrique de l'Ouest. Personne en dehors de nous-mêmes, les Africains, ensemble réunis, ne viendra nous sauver dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nous devons nous ressaisir, nous devons ensemble travailler à faire en sorte que la victoire que nous devons remporter sur le terrorisme soit une victoire également collective dans notre sous-région. Après des entretiens mardi 8 juin avec le nouveau président de la transition malienne Assimi Goïta, la CEDEAO accompagnée de représentants de l'Union africaine et de l'ONU a rencontré ce mercredi matin le nouveau premier ministre Choguel Maïga au programme notamment l'avancée des consultations sur la formation d'un gouvernement inclusif. Choguel Maïga a affirmé au sortir de cette réunion de 2 heures que d'ici dimanche, en accord avec le président de la transition, l'exécutif présentera son nouveau gouvernement malien. Il a également affirmé que des discussions avec les partis politiques et les organisations de la société civile ont bien avancé. S'il concède l'éventualité de quelques difficultés dans les arbitrages, il a bon espoir de former un gouvernement de large consensus. Il a également promis que d'ici 6 semaines, un nouveau plan et un nouveau chronogramme seront présentés au Conseil national de la transition, l'organe législatif qui fait office d'Assemblée nationale au Mali. Le temps presse pour une équipe pas encore mise en place, car Choguel Maïga a également réaffirmé que la
transition qu'il souhaite réussie se déroulera dans les délais impartis avec une fin prévue dans 9 mois. Jean-Claude Cassibrou, président de commission de la CEDEAO, s'est réjoui de ces garanties. Pour lui, la CEDEAO accompagnera la transition malienne et se dit rassuré après les différentes consultations menées par sa délégation. À la question de savoir si la suspension du Mali au sein de l'organisation sous-régionale sera levée, il déclare que cette décision sera prise par les chefs d'État et conditionnée aux avancées de la transition malienne. Et pour finir, au Tchad, une vingtaine de personnalités de haut rang, parmi lesquelles des anciens ministres, des fonctionnaires internationaux, appellent à un dialogue incluant tous les fils du Tchad pour une paix globale. L'appel vise l'organisation d'élections démocratiques sincères pour aboutir à une paix durable et invite les tenants du pouvoir à de l'objectivité. Pour la vingtaine de personnalités signataires de la déclaration, rejoint par plus de 300 autres sur Internet, la transition telle que menée ne rassure pas les Tchadiens. Les sports à présent, le Bénin était en match amical contre la Zambie ce mardi 8 juin, une rencontre qui s'est soldée par un score d'égalité de 2-2. Au lendemain de cette confrontation, quelques acteurs sportifs ont livré leurs impressions sur la performance des écureuils du Bénin. Ils sont au micro de Carnot François Rongbederinto. Pour ce que j'ai vu hier, les écureuils se sont bien comportés. Pour la plupart, ils ne sont pas titulaires en club. Et ça, je pense que Michel Dussuyer a compris et très tôt, il a décidé donc de les regrouper pour pouvoir essayer d'asseoir quelque chose si éventuellement le match sera joué. Donc face à la Zambie hier, je crois qu'ils se sont bien comportés dans certains compartiments. Par exemple, en milieu de terrain, j'ai vu un milieu de terrain de Michel Dussuyer très combatif et très créatif également, également sur les côtés. Maintenant, si l'ensemble de cette prestation pourra nous permettre d'aller à l'assaut des Leone Stars de la Sierra Leone, ça laisse à désirer un tout petit peu. Mes impressions sont les meilleures vis-à-vis de la performance des joueurs. On ne peut que les accompagner. De deux, tout le peuple espérait peut-être que le Bénin remporte hier, mais tel n'a pas été le cas. Mais notre joie est vive en ce sens que le Bénin n'a pas perdu et a essayé de maintenir son cap à raison de faire 2-2. Donc un match amical, c'est pour tester son effectif et voir à quel niveau on peut changer des choses avant cette rencontre. Le score ne dit pas trop dans un match amical. C'est plutôt la leçon qu'on retient qui est le plus important. Quand on dit un match amical, vous pouvez perdre. Mais en tant qu'entraîneur, vous devez vous asseoir, tirer des leçons. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut revoir? Et ainsi de suite. Donc le score, je ne pense pas que ça puisse être une base d'inquiétude. Et cette rencontre amicale jouée ce 8 juin intervient à quelques jours seulement du match Bénin-Sierra Leone prévu pour ce 14 juin 2021. Une rencontre assez décisive pour les deux nations car c'est la qualification pour la prochaine CAN qui se joue. Les chances du Bénin pour la victoire sont analysées par Carnot François Rongbederinto dans ce reportage. Reporté pour ce mois de juin en raison d'un désaccord sur des tests positif au Covid-19 côté béninois, le match Sierra Leone au Bénin se jouera finalement ce 14 juin 2021. Cette rencontre décisive pour la qualification de la 24e nation à la Coupe d'Afrique des Nations CAN se jouera quelques jours après le match amical entre le Bénin et la Zambie. Un match joué ce mardi 8 juin 2021 à Cotonou qui s'est soldé sur un score d'égalité de 2-2. Une performance des écureuils du Bénin qui, selon Théophile Lazare, journaliste sportif, laisse à désirer. Vous savez, c'est un football anglo-saxon, le football que pratique la Sierra Leone. Et ce que j'ai vu hier face à une équipe zambienne très, très jouable également, je crois que ça laisse à désirer. Il va falloir encore travailler véritablement dans les différents compartiments pour espérer quelque chose face à la Sierra Leone.
Prosper Vodienkon, également journaliste sportif, pense que le Bénin a plutôt une chance pour décrocher la qualification si l'entraîneur arrive à tirer les enseignements de la rencontre amicale. On a beaucoup de chance. Le fait d'avoir fait 6 changements hier, ça a donné une marge de manœuvre à l'entraîneur, de voir encore plus de jeunes, plus de qualité. Le fait de jouer aussi face à un pays anglophone, c'est également une chance. Et je pense que la forme actuelle des joueurs vient en rajouter. Les joueurs béninois, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de difficultés, ils viennent de finir leur championnat, la forme et tout. Donc je pense qu'on a beaucoup de chance sur cette rencontre. Et l'entraîneur n'a qu'à simplement tirer les leçons de la rencontre amicale d'hier et le tout est joué. Théophile Hazard revient pour dire que l'esprit collectif des écureuils du Bénin peut les aider à faire la différence. Vous savez, les écureuils n'ont pas un tueur. Ça, il faut le dire, n'ont pas un tueur. Il a manqué tout le temps un tueur au niveau de l'attaque pour faire la différence. Maintenant, si cette cohésion, cette envie de vouloir gagner les anime lors de la dernière rencontre pouvant désigner la 24e nation pour la Coupe d'Afrique des Nations, ils peuvent facilement, eh bien, par l'esprit collectif, l'esprit d'équipe qui les caractérise souvent, un peu comme ce que nous avons vu à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc, ils peuvent faire la différence et obtenir une qualification, pourquoi pas. Rappelons que pour cette rencontre, comptant pour la dernière journée des éliminatoires CAN en 2021, la Sierra Leone a besoin d'une victoire pour se qualifier, sinon c'est le Bénin qui ira à cette grande compétition qui se déroulera au Cameroun en 2022. Ce sera tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Gaëtan Akpasso. Présentation Clémence Tonoukouin. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à chacun et à tous.